Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud. On dirait tout sauf un mec qui parle de crypto-monnaie et de finance quoi. Aujourd'hui on va regarder des combats de poulets les amis, et on va pouvoir parier sur ces combats, crypto-monnaie acceptée bien entendu. Comme dit Martin Gel13 dans le chat, c'est parti. Ok, let's go. Oh celle-là elle était belle. Zion Quad TV, rien que pour les deux petites guitares. Je sais pas du tout ce que c'est ça ici. Ça ressemble un peu à, tu sais, dans les toilettes pour nettoyer, on aurait, enfin, une pelle à cul quoi. Ah non, c'est une bougie et il y a un vase devant. D'accord, on va en rester là tout de suite. Je vous propose d'oublier ce que je viens de dire et de revenir dans un monde où cette scène n'a pas existé. On avance. Oui, c'était un chandelier, j'ai compris. Après chip violet s'il te plaît, d'accord. Un mouton n'a pas la parole ici. Alors vous pouvez remarquer sur la courbe l'effet Amixem. Bonjour, je suis Amixem, qu'on appelle également l'ATH. De ce que j'ai pris en abonné, ouais, c'était 11K le premier jour, j'ai dû prendre 8 ou 9 000 le deuxième, enfin c'était assez violent. Et là, on se rend compte qu'il y a un vrai début d'audience, quand j'ai en réalité, ma chaîne, elle fait 50 abonnés par jour, quoi. Là, maintenant, le nouveau bas, je pense que ça va être un petit 200 abonnés par jour, donc c'est cool, c'est bien, ça veut dire que le sujet se développe, et ça représente bien, mine de rien, ce qui s'est passé avec ce fameux bullrun, donc c'est assez intéressant. Pourtant, BFM TV te fait de la pub, non, il y en a, alors c'est vrai, mais même mon audience, en fait, même au niveau de mes abonnés, j'ai 40 ou 45% des gens qui regardent mes vidéos qui sont abonnés. La plupart des chaînes arrivent à monter à 60, 65. Pourquoi ? Parce que mon audience est assez âgée. Il y a de plus en plus de jeunes, mais la moyenne d'âge, c'est 35, 40 ans. Il y a des mecs qui regardent mes vidéos, ils ont même pas de compte Google. C'est-à-dire que quand ils likent une vidéo, ça leur dit « veuillez vous abonner ». Les mecs ne savent même pas ce que c'est Twitch. Donc, normal que j'ai une partie de mon audience qui suivent pas. Parce que j'ai une audience qui est très atypique, qui est très particulière. Là, franchement, je dois être... Attendez, ça... Ah, je peux vous montrer, les gars. Regardez-moi ça. En gros, il y a moins de 22% de mon audience, 0,5 plus 21, moins de 22% qui a moins de 25 ans, vous vous rendez compte? Et les mineurs, autant vous dire que c'est un paix dans une tornade le truc, hein. Ils existent presque pas. Mais c'est pourtant vous notre avenir! Ensuite, on a les plus de 25 ans. De 25 à 35, c'est le gros de la commu, c'est la brique. Et on était... C'était... Tu vois, vous voyez, le violet était un peu plus haut avant, parce que le orange était en fait plus bas. Bref, vous l'avez vu, un autre 22% 35 ans, et puis mine de rien, plus de 35 ans, on a 40% de ma communauté qui a plus de 35 ans, et un autre 40% qui est entre 25 et 35. Donc, je suis, par définition mathématique et du haut de mes 24 ans, plus jeune que 80% de ma communauté. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, je sais pas si c'est effrayant, mais c'est cool. 67 ans ici, ça c'est bien, mon ami. 47 ans, 43 ans, mais c'est incroyable. Oh là là, ce que je me sens bien maintenant. Ouais, bon, Néodesti, 80, tout le monde a mis son âge, et comme par hasard, il veut être le plus vieux de tous, alors il dit 80 ans. Qu'est-ce qu'on lui dit? Menteur. Mais bon, attends, c'est peut-être un... Grégory Raymond qui nous fait un tweet et qui parle de Visa qui annonce 1 milliard de dollars de crypto ont été dépensés avec sa carte bleue. Pour vous dire, Coinbase doit prendre 2 ou 3% de frais. C'est l'instant calculatrice. Ouais, 30 bars, c'est ça? 30, on doit être sur 30 bars? Oh là là, je vais vraiment faire ça. Je vais vraiment faire ça. Et on est sur 30 bars. Comme attendu, suffisait d'enlever des zéros, monsieur Simonin. Déçu par votre niveau mathématique aujourd'hui, c'est une sous-performance que vous venez d'exposer. Nous sommes 1030, les amis. On vient de faire un calcul tous ensemble. 3% d'un milliard, ça fait 30 millions. Vous rendez-vous compte? Impressive. Je vais vous parler de français. Et alors, pour le coup... Enfin, c'est pas sponsor, hein. Je n'ai pas reçu un centime d'euros. Ils sont venus me voir à Metz, je les ai reçus dans ce même bureau pour vous parler des tout premiers Français ayant construit des NFT, Obvious Art. Alors Obvious Art, qu'est-ce que c'est? C'est un collectif d'artistes, d'accord, qui utilise l'intelligence artificielle, d'accord, pour développer des œuvres qui pourront être numériques, mais qui pourront très bien finir en physique, vous allez le comprendre. Globalement, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup avec eux. Max me dit, Owen, il y a quelque chose de fou avec les GAN. On peut générer avec de l'intelligence artificielle et en éduquant la machine énormément de dérivés. Vous donnez à un ordinateur 1 milliard de photos de chat, l'ordinateur va être capable de vous générer une nouvelle photo de chat. Et vous ne serez absolument pas capable, d'accord, de savoir si c'est une vraie photo de chat ou une fausse. Autant vous dire que ça permet de créer des modèles dérivés très intelligents et ça permet de faire énormément de choses. En l'occurrence, là, ils ont un projet, le projet Marianne. En gros, l'idée, c'est, jusqu'à présent, la France, quand elle avait besoin d'une Marianne, elle choisissait une Française, plutôt sur sa plastique, pour représenter la Marianne, et on allait faire un buste qui lui correspond, et on avait du coup une Marianne qui sortait. L'objectif là, ce serait de se dire, d'essayer de faire quelque chose d'un peu plus commun, d'un peu plus décentralisé finalement. Proposer aux gens, avec ce lien, noussommesmarianne.fr, n'importe quelle femme peut envoyer une photo d'elle, elle a pas à se mettre à nu, d'accord, hein. Vous envoyez une photo de vous coupée au buste, d'accord, et à ce moment-là, ça va utiliser des milliers d'images, il y en a déjà 1800,
L'ordinateur, lui, va faire une espèce de moyenne. Il va réussir à sortir une base de plusieurs milliers de françaises. Il va proposer, suite à un gain et de l'intelligence artificielle, un modèle artistique qui va être présenté. Moi, je trouve ça très amusant aussi. Et je comprends totalement qu'il y ait des gens qui soient pas intéressés par ça, hein, je le conçois. Bah, c'est artistique, c'est technologique plus artistique. Moi, je comprends tout à fait, et c'est pour ça que ça n'intéresse et que ça ne sera partagé qu'aux gens qui sont intéressés. Mais le but, c'est de sculpter un modèle qui représente la française et pas une seule femme parce qu'elle était belle à ce moment-là. Une Marianne sera proposée à la fin au président. Et pourquoi pas, un jour, il y aura un buste qui représentera les Françaises en général. Il y a plein d'associations derrière, j'ai trouvé ça très très cool, ça me plaît beaucoup. Et on n'est pas là en mode on va faire un NFT, on va le vendre, on va gagner de l'argent très très vite, très très fort. Même si c'est des gars qui savent aussi faire du business, et c'est ce qui m'a plu dans leur discours, hein. C'est pas juste des artistes perchés, ce sont des gars qui ont les pieds sur terre, qui veulent vraiment créer de la valeur et qui veulent créer quelque chose qui a du sens finalement. Et d'ailleurs, ces mecs-là ont vendu des œuvres jusqu'à 440 000 dollars, je crois. Donc c'est des mecs assez sérieux, ce sont des Français. Voilà pourquoi je vous invite à partager cette initiative, si elle vous amuse, tout simplement. Keïsa qui nous dit « On veut un concours ! Au des sous !» Bah non. Tiens, Keïsa, si tu me dis que c'est ça, je t'envoie 100 euros en Ether. Maintenant, pas tout à fait, caribou magique. Décidément, il y a un dé à gland. Ce n'est pas du tout un sextoy. Attends, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le voit? Poire à lavement, c'est terrible, Squall, ce que tu viens de nous proposer là. C'est un trophée, un Pokémon, pas du tout. Un bulle bizarre peint en blanc, non. Mais j'apprécie l'idée. Un presse-papier, un carrosse, pas du tout. Bah écoutez, vous savez quoi? Je vais pas vous le dire. On va commencer le Ask Me Anything tout de suite. Kylian Mbappé, c'est pas beau ce qui s'est passé. Hein. Tout le monde était là à l'aduler, derrière lui, c'est un dieu, c'est un dieu. Là, tu vois la mentalité française sur la défaite, hein. On avait besoin de se défouler sur quelqu'un, ça m'a fait vraiment beaucoup de peine pour lui. En fait, voilà, c'est ça, c'est une mutualisation de la victoire, car quand il gagne, tout le monde gagne, et c'est une individualisation des pertes. C'est-à-dire que quand il y a eu un échec, c'était son échec à lui. En fait, c'est un peu comme ça qu'il y a eu la crise des subprimes aussi. Hein. Quand il y a des gains, c'est des gains privés, et quand il y a des pertes, on fait payer les contribuables. En fait, excusez-moi les amis, tout a toujours tourné ainsi dans le monde. Attention, tu deviens... de... Ah non, 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 pas du tout, Crystal Aura. Alors, je suis ni de gauche, ni de droite. Je suis pour un monde juste avec un petit peu plus de valeurs. J'ai des idées qui vont un peu partout et pour être franc d'un point de vue politique, je ne me sens pas suffisamment pertinent aujourd'hui pour donner mon avis et dire c'est ça la vraie chose, c'est ça. Puis pareil, je vois les gens critiquer le président quand il prend une décision. Tout ce que j'ai appris en arrivant là où j'en suis aujourd'hui, les amis, et en prenant vraiment du retour et en développant mon réseau et en fréquentant des gens qui sont vraiment très bien placés dans plein d'endroits différents, bah c'est que la plupart du temps, quand on voit un gars prendre une décision, on sait pas pourquoi derrière. Quand tu vois un gars qui dit ouais, ben moi j'aurais été à sa place, j'aurais fait ça. Bah ouais, non, mon pote. Déjà, parce que si t'avais été à sa place, t'aurais dû apprendre beaucoup plus de choses. Ensuite, t'aurais dû comprendre beaucoup plus de contraintes. Et il fait pas ce qu'il veut. Parce que s'il fait ça, ça va vexer lui. Si ce pays est vexé, il bossera plus avec lui. Donc on va perdre ça, ce sera encore plus grave. Donc il devra prendre une autre décision. Il y a plein de choses à prendre en compte. C'est trop facile, tout comme les gens qui se mettent derrière un mec qui a 4 millions d'abonnés et qui lui crache dessus en mode ouais, t'aurais pas dû faire ça et tout. Mais frère, t'as pas 4 millions d'abonnés. Tu sais pas ce que c'est de te lever la nuit et de te faire insulter par 20 000 personnes sur Twitter. Tu sais pas ce que ça peut créer ici. Donc il y a plein de choses qu'il faut regarder, qu'il faut essayer de comprendre. Mais tu ne peux pas tout le temps te mettre à la place des autres. Et donc, tu ne peux pas tout le temps dire ce qu'ils auraient dû faire. Tout simplement. J'adore. Bon moment pour acheter de l'éther, ou bien il faut acheter la rumeur et vendre la news. Eh bien, je pense que c'est l'inverse. Ether s'est mis dans une configuration différente. On n'achète plus la rumeur avec Ether. Parce qu'il y a des rumeurs qui n'arrivent jamais. Il y a des rumeurs qui sont décalées. Et Ether qui dit il y aura ça dans 8 jours, ça ne vaut plus rien. Pourquoi? Parce que si dans 8 jours ils sont pas prêts, ils lanceront pas. Ether fonctionne comme ça. Ils avancent avec une approche cartésienne et globalement l'actualité et le marketing, ça leur glisse un peu dessus. D'ailleurs, combien de fois Vitalik a dit un truc, puis ensuite on lui a dit mais monsieur, vous aviez dit ça? Et il a dit j'en ai aucun souvenir. Pour vous dire à quel point il s'en fout. Je pense justement qu'Ether, on peut avoir des grosses surprises sur la news. Et là, ce serait peut-être un modèle inversé, je sais pas ce que vous en pensez les gars, hein. Mais ça deviendrait peut-être un « buy the news, but sell the rumor ». Pour la simple raison que globalement, les rumeurs, elles valent plus rien sur Ether, parce qu'on sait jamais si ça arrive vraiment. Par contre, quand ça arrive, quand c'est factuel et qu'ils vous disent « ok, ça marche, ok, c'est fonctionnel, ok », ça va diminuer le nombre d'Ether en circulation. Diminuer le nombre de nouveaux Ether ajoutés parce qu'il y en a plus que 20, enfin, vous avez compris, on n'en revient pas sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Je pense vraiment qu'une actualité, une mise à jour d'Ether qui a été annoncée, qui sort et qui fonctionne, peut augmenter son prix. Après, vous savez très bien que tout dépend de Bitcoin, et si le jour de la mise à jour d'Ether, le Bitcoin est divisé par 4, autant vous dire que personne ne pourra faire en sorte que le prix de l'Ether monte. À ton avis, qui va gagner l'euro? J'ai pas vraiment d'idée les gars, pour être franc, je pense que c'est l'Italie. Non, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous dire
mathématiquement et d'un point de vue d'entrepreneur, qui va gagner l'euro. D'un point de vue mathématique et selon des forces qui nous dépassent de très loin, l'Angleterre remportera l'euro. En tout cas, statistiquement, et sur, si je devais parier sur la variance, je dirais que c'est l'Angleterre. Bukayo Saka, c'est Donnarumma qui offre le titre de champion d'Europe à l'Italie. L'Italie n'a pas la côte. Mais les Italiens ont un grand cœur. Même si les Anglais sont très très bons avec le ballon, je ne sais pas ce que ça peut donner. Pour une seule et simple raison, les amis, je ne suis absolument pas pertinent sur l'industrie du football. Mon père aurait peut-être eu un avis là-dessus, moi je n'en ai pas. D'ailleurs, un jour, on vous annoncera une dinguerie. Mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. T'es... TX Street pour suivre tes transactions. Je ne connais pas TX Street, mais je vais aller voir tout de suite. Alors, je les utilisais pas pour suivre mes transactions, mais j'ai déjà entendu parler de ce site et je veux vous le montrer parce que c'est énorme. Ça a image avec les petits bonhommes de South Park, le réseau Ether et le réseau Bitcoin et les, ce que vous voyez là, les différents bus. Ce sont des blocs. Vous voyez également les frais qu'il y a sur ces blocs. Et quand il y a suffisamment de transactions dans les blocs, et bien les blocs, pouf, ils partent. Et vous voyez le nombre de transactions en attente sur Bitcoin. Et je crois que chaque petit bonhomme est une transaction. Mon Dieu, chaque petit bonhomme est une transaction. C'est très très bien fait. Vous avez également d'autres... Oh là là, vous voyez toutes les applications de Bitcoin qui envoient les transactions. C'est génial. Je trouve ça très représentatif. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est tous ceux qui ne rentrent pas parce que les transactions sont trop chères. Non, tu rigoles. Ah ouais, je peux vous dire que Bitcoin, quand il n'y a pas de bloc pendant une heure, ça fait tout drôle. Il y a des gens qui s'accumulent. Mais en tout cas, ouais, là, pour l'instant, le réseau Ether n'est pas trop congestionné. Et il y a même des gens qui n'avaient pas assez d'accord. Ok, quand on a une transaction qui coûte pas trop cher, on a les gens qui étaient en attente qui passent dedans. C'est assez bien fait. Voilà, je vous embrasse. Au revoir tout le monde, portez-vous bien. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous ceux qui sont restés tout au long de ce live. Et à très bientôt. Au revoir.